Enchanté, je suis nouveau, comment ça va? J'espère que ça pulse pour vous. Bienvenue la Web TV, bienvenue Level Down, bienvenue à vous YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous aime sur Dailymotion, j'espère que je ne vais pas être trollé cette fois. Hein. Je vous fais plein de bisous, plein de cœurs, on a fait un test de côte, tout va bien. Ah, on se rappelle bien sûr du live de samedi où on a fait, eh bien, en 3 quarts d'heure, 10 minutes de gameplay. LOL! Allez, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce troisième stream sur Final Fantasy X-2. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vais dire bonjour à toutes les personnes présentes dans le chat. Bonjour Vendred, bonjour Dragon, bonjour Shinka, bonjour Tenchi Destructor, bonjour bonjour Astral Lumia. Nous avons bonjour Nephiros, bonjour Killer of Night, bonjour Loulou, bonjour à toi Adran, j'espère que tu as bien livé, bonjour Sorcière, bonjour Beaufinateur, j'espère que tout est ok pour vous, j'espère que tout va bien pour vous, et je n'ai pas envie de perdre du temps. Salut à toi Speedy, comment ça va? Bienvenue à toi sur le stream. Salut à toi Tira, bonjour Mostarax, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon début de semaine, c'est le premier live de la semaine. Bienvenue sur Final Fantasy X-2. Eh bien écoutez, on va passer directement sur le jeu. Voilà, vous avez le retour. Alors par contre, j'avais désactivé le son. Tac. Et normalement. Voilà. Ça devrait être bien. Ah, en plus, elle est trop belle cette musique. Vraiment. Ok, ça fait plaisir. Alors maintenant, tu gères ça, merci. C'est bon, tout est ok. Bonjour à toi, Rouyouz, bienvenue sur le stream. Je suis contente, ma box a l'air bien. Eh bien écoute, sorcière, ta box va quand Deli va bien. Ah, bonjour, Karwinski, je ne sais jamais comment on prononce ton pseudo. Oui, je pète un câble. Ok, les amis. Allez, pour ceux qui avaient vu la rediffusion que j'ai mis hier sur ma chaîne YouTube, eh bien, nous étions arrivés au sommet du Mont Gagazet, Mont Gagazé, et avec notre équipe, les Albatros, et on avait fait déjà cette petite phase. On devait faire notre première vraie mission, je vous rappelle. Salut à toi, Yaiko, bienvenue sur le stream. Allez, on est motivé. J'espère que ce truc marche encore! Ah! On ferait peut-être mieux de rebrousser chemin. Allez, on active. Un don, un cri, exemple. Ah oui! Moi, oh, j'espère que vous allez bien. Premier stream de la semaine. Donc, planning de la semaine, je vous dis un petit peu. Aujourd'hui, ça va être FF10-2. Demain, c'est Kingdom Hearts à 14h. Jeudi, rien. Vendredi soir, live Resident Evil 7 plus Dead or Alive Extreme 3. Samedi, pas de stream malheureusement. Et dimanche, FF10-2. Voilà, à 14h. Le manga Gazette, bah ouais, moi j'aime bien dire ça. Allez, vas-y, ma petite Yuna. Du coup, on va bien regarder le plan. Allez, vas-y. Hop, hop, hop. Oh, on a des combats. Ah ouais! Allez, danse. Allez. Voilà. Par contre, tu vas attaquer, tu attaques. Voilà. Tiens, ça fait plaisir de retrouver. Eh bien, bien sûr. Bonjour à toi, Jeff. Je ne t'avais pas vu. Je t'ai même pas dit bonjour. Comment ça va? Oh, ce cri sensuel, tu me fais rêver. Oh, eh bah, tant mieux. Par contre, je voulais changer pour Yuna. Donc, ça va être dans quoi? Ça va être dans. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Bref, on fera peut-être en combat, on verra. Hop, hop. On avait récupéré un coffre là-bas. Vas-y, petite Yuna. Vas-y. Voilà, parfait. Ouais, j'aime bien dire Gagazette, moi. De l'élixir, parfait. Ok. Hop, hop. Alors. Regardez, mon nez n'empêche vachement très haut, je trouve. Oui, je sais pas parler français aujourd'hui, a priori. Rien ici. Et nous, on s'est arrêté juste après ce combat-là. Allez, monte! Merci.
there. LeBlanc, remember that name well, loves. Ah, the thief. Whatever do you mean? Ugh, that's what I hate about amateurs. Maybe she'll go away if we ignore her. You, I heard that. Just as I was saying, amateurs, they have no concept of what it takes to be a true sphere hunter. Amateurs, weren't you following us? Following? A mere coincidence. You was right, boss, as always. Indeed, following them has paid off splendidly. Laugh while you can. Ah là là, le blanc et ses laquais. Alors, on est parti pour le combat, tu vas danser, tu voles hormis, et toi, tu attaques. Alors je vous rappelle qu'à danser, ça afflige obscurité sur toute l'équipe. Hein. Vous n'avez rien réussi à voler, d'accord. Donc du coup, tu vas voler hormis. Voilà, donc c'est bon. Sur tous les boss, on va essayer de voler un minimum, hein, je vous rappelle. Va chercher Yuna, mais... Oui, c'est bien. Ha. Tu danses, ma belle. Tu voles, Logos. Hop là. Salut à toi, Tenshi, Destructeur. Bienvenue à toi sur le stream. Comment ça va? Vous n'avez rien réussi à voler, bah dis donc. Eh bah, comme par hasard, tu vas voler donc Logos encore une fois. Regardez, tout... avec obscurité, hein, je vous rappelle que toutes les attaques sont majoritairement à plus de 60%, je pense. Et bien, tout simplement, esquiver. Par contre, on va faire attention au HP de Yuna. Ah, pour l'instant, vous connaissez, il n'y a rien à voler. Maintenant, on va voler le blanc, je pense. Petite potion, j'ai envie, pour Yuna. J'aime bien la musique des combats. Vous n'avez rien réussi à voler. Riku, s'il te plaît, fais quelque chose. Après Speedy, maintenant ça va être Riku. Fais quelque chose de ta vie. Vous n'avez rien réussi à voler. Oh. Tu voles le blanc, s'il te plaît. Merci. Maintenant on s'occupe de Logos. Ok, voler tiers, c'est parfait. Ouais, ça devrait passer au niveau HP, ça devrait passer. Ok, maintenant, on attaque. On a volé tous nos copains. Simulation, donc là, il doit taper plus fort, je pense. Tu attaques. Tu attaques. Toujours en combo, vous le savez. Tu attaques, tu attaques. Et toi, tu vas passer en tireuse. Attention! Transformation! Et nous passons donc en tireuse! Yeah! Resistance is futile. Allez, un petit tir rapide. Voilà, on attaque encore. Merci d'être passé. Ouais. Allez, tu attaques. Boum. Allez, salut. Au revoir. J'ai joué au 10, mais pas au 10-2. Et vu que j'ai pas suivi le premier stream, ça passe quoi? Salut à toi, Dom. En soi, qu'est-ce que t'as loupé? On a une équipe qui est constituée de Yuna, Pain et Riku, qu'on appelle les Albatros. Ce sont des chasseuses de sphères. Et on a reçu un signal, une visiosphère, comme quoi Tidus serait enfermé quelque part, mais on ne sait pas où. Et Kimari, maintenant qui est devenu le chef des Ronso, donc sur le mont Gagazé, nous a dit qu'il avait une sphère pour nous. Voilà en gros ce que tu as loupé. En gros, c'est résumé vraiment en gros, hein, vraiment. Hein. And this is the thanks I get for going easy on you. Trop de féminité en toi sur ce jeu. Ah, je vous avais prévenu que c'était très what the fuck, hein. Je serai dans le rôle. Who does she think she is? She's getting hurt. Ok, une nouvelle mission.
Rattrapez le gang Leblanc avant qu'il n'arrive au sommet des ruines. Mais attention, ils ne sont pas un coup bas prêt pour vous arrêter. Critère de réussite activé, arrivé en premier au sommet. Ok, allez c'est parti. On a la carte, on va faire comme si tout aille bien et je vais pas me fail. On a 6 minutes. Ok, on a des ennemis. Alors cette fois je ne vole pas, place directement. On attaque au maximum. Allez les filles, on y va, on y va. Ok, on a pris l'angle de feu, ça c'est parfait. Alors faudrait que je vous parle aussi des compétences. Hein, et qu'on voit comment on les acquiert. Faudrait que je vous parle des palettes et tout ça. Alors là-bas déjà il y a un coffre. Je m'empresse d'aller le chercher. Méga Phoenix, parfait. C'est vrai, ça veut pas dire ça, Dom. She's getting hurt. Ouais, ils l'ont traduit par je vais pas la cogner, mais c'est vrai que moi aussi ça me paraît. Enfin, je vais la cogner, pardon. Ça me paraît un peu space en fait. Quand on va avancer dans le jeu, il sera moins. Oh oui, je serai moins. Je le serai beaucoup moins. S'il te plaît, tu prends le truc. Voilà, merci. Allez, vas-y. Hop. J'observe la carte. J'essaie de voir si je peux monter, mais... Allez, on y va, on y va, on y va. Toujours en combo, 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 combo. Regarde vos glands, d'accord, je pensais que ça mettrait putrification. N'importe quoi, moi. Je pensais que ça mette... Comment ça s'appelle? Oh! Petra. Fossile. Voilà, c'est ce que je cherchais. Mais en tout cas, j'espère que tout va bien. Est-ce que vous êtes en vacances? Dites-moi un petit peu de votre côté. Comment tu fais, là? Oh, un flambos. Bah, en gros, c'est... Elle va se finir blessée. Quoi? Donc, en soit, oui, si la cogne, elle va se finir blessée. Bah, ouais. Allez, 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 allez. Je sais pas pour vous, mais je trouve... Oh yeah! Oh yeah! Je trouve honnêtement que les combats sont très dynamiques. Et comment... Attendez, attendez, attendez. Ah, mais non, mais je perds du temps pour rien! Arrête de faire n'importe quoi, mec! Possible! Allez, Yuna, Yuna, va, Yuna, Yuna. Oh là, je sais pas comment tu fais, toi, pour viser comme ça, alors que ton ennemi est à gauche, hein. J'adore ce jeu, hein, mais vous allez voir... Oh non, mais... Et en plus, ça recommence. LOL. Oh, je tire là, mais ma cible est là, quoi. N'importe quoi. Pourquoi elle a un pistolet, Yuna? Pour te faire parler, Dom. Ah, je suis tellement mauvais. Oh là là. Parce que c'est tout simplement une palette... Donc un job, on pourrait dire, open palette, une vétisseur, pardon. Qui nous donne droit à ce qu'on ait des pistolets, parce que c'est une tireuse. Mais je pourrais donner le même job pour Yuna ou pour Riku. Pour Yuna. Pour Pain ou pour Riku. Voilà, c'est par là. Alors vas-y, hop là. Salut! Salut la petite Saint-Jacques, bienvenue sur le stream. Snake! On n'est pas dans MGS pourtant, je crois. Allez, 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 allez. Ah ouais, j'y vais le plus rapidement possible, on a du temps, hein. J'aime pas du tout les missions, vous le savez, quand c'est chronométré. Oh. Bien, bien, bien. Et en plus, on gagne des gils, ça fait plaisir. Et je perds du temps, là! Ok, il n'y a rien sur la gauche, non, donc c'est par là. J'aime bien la barre qui est symbolisée en haut. Je sais pas si vous avez vu. Non mais, je voulais pas ressortir. Ok, allez, vas-y. Hop. Ok, là.
On enclenche le mécanisme. Je sais pas ce que ça fait, mais on va voir. Ici. On enclenche le mécanisme. Oui, ça va très bien, la petite Saint-Jacques. Je te remercie, d'accord. Ce qui a le don de... D'accord, de faire baisser la plateforme. Très bien. Allez. Et on a pris épée de glace. Tout ça, je vous le résumerai après la mission, rassurez-vous. On fera un petit tour dans les menus parce que c'est... Bah c'est vital. C'est vital. Donc, il faut le faire. Ok. Hop. Alors. En haut ou à droite? J'en sais rien, moi. On va aller voir par là. Et si je vais à droite, on va regarder ensemble. Attends, il n'y a pas un coffre? Non. Ok, je sais pas du tout ce que je fais. Ah d'accord, ça active ici. Et donc, oh, le changement de caméra. Oh là. Il y a un gros là. Allez. C'est vital comme la carte dans le jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est Speedy? Qu'est-ce qui est vital? À part la carte. Putain, mais en fait, c'était nul, t'avais déjà fait le jeu de mots, j'avais pas remarqué. C'était pourri. Ah! Vite. Mais non! Ah. Je sais pas où je vais, hein. Ah, ok. Ça donne droit à des coffres. Bague rouge et... Et c'est tout? Ah. Les symboles verts, ça veut dire quoi? Allez. Bonjour à toi, Krayla. Bienvenue sur le stream. Et j'ai pas dit bonjour à Train aussi. Bienvenue sur le stream. Comment vas-tu? Ok, donc en gros, on a... Comment dire, on a ouvert un chemin pour le coffre. C'est ce que je... Moi, je le comprends comme ça. Hein. Yeah. C'est la carte. Ouais, on est dans Dora. Bon, j'espère que vous, en tout cas, vous allez bien. Vous me l'avez pas dit dans le chat. Yona. Vite. 3 minutes. Là, à droite. Je vous rappelle le petit chocobo, hein. Point de sauvegarde automatique. Vite. Hop. Sorry, boss. Y'a pas de coffre? Non. Ok. Là, y'a quoi? Ah d'accord, c'est juste pour nous montrer le coffre, d'accord. On n'a pas le temps à perdre. Je suis désolé, hein, je vais vite parce que je arrive avant le gang le blanc, hein, le plus rapidement possible. Allez. Parfait. Bon. On est tranquille. Oui, ça va beaucoup mieux que samedi. Ok, à tout de suite, sorcière, puisque tu es AFK. Et en plus, c'était le bon chemin, mais quel débile. On a 2 minutes. 2 minutes 30. Bon, vous allez me dire, on a eu le coffre. Donc c'est déjà bien. Maintenant, je crois qu'il faut aller tout en haut du sommet. Si je me trompe pas. Sorry! Allez! Voilà. Ah, je trouve vraiment très dynamique les combats. J'adore. C'est pas encore du FF13, c'est sûr, mais... Ça me plaît bien. Allez, on continue. Cours, ma petite Yuna. Ok. Vous avez vu un peu comment ils sont... Ils nous font perdre des secondes pour rien. Hein. C'est abusé, je trouve.
Ok, bon, les ennemis, on s'en débarrasse assez rapidement, faut dire ce qui est. Mais elle a perdu ses chimères entre le 10 et le 10-2, bien sûr, Dom. T'as jamais vu la fin du 10? Ou tu n'as jamais fait le 10, peut-être? Tout en haut du sommet, oui, oui, il faut aller tout en haut du sommet, oui. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, mais ils nous font... Regardez comment c'est des tricheurs, j'aime pas ça! Ok. Go, 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 go. Mais... Voilà, on a pris balle perçante. Parfait. J'ai fait le 10, mais qu'une fois. Oh. Mais comment je monte? Allô? Mais comment je monte? Allô? Ah, là, peut-être. Voilà. Ah, je suis stressé, les amis. Je suis stressé. Vite, 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 vite. Alors, si elles arrivent avant, je sais pas si on perd quelque chose ou pas. Je crois qu'en fait, ça nous met la pression, mais pour rien. On sait pas, grave, si on n'arrive pas dans les temps. Ah. Ok, niveau 5. Allez, go, go, go. Allez, le coffre, le coffre. Pendant qu'il fait toilette. Ok, on y va, on y va, on y va, on y va, vite, 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 vite. Ah! Allez, salut! Allez. Vite, 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 vite. Hop là. On a une minute. Je sais pas si on va y arriver. Allez! Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va y arriver. On va y arriver, les amis. Oh, je suis content. Non, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Bon, au moins on est tranquille. Ah, ça fait plaisir. Ok, donc on va pouvoir sauvegarder tranquillement. Parfait. Bon, bah ça se profile bien. Parfait. Ça fait plaisir. Alors, voir, non, on peut pas aller à gauche. Hein. Mais moi, je vais récupérer le coffre. Vous m'excuserez, hein. Yen, ceinture d'ogre. On peut pas leur parler, non. Je peux pas aller à droite, non. Alors, go. Salut à toi! Toya Shogun. Comment vas-tu? Et bienvenue à toi sur le stream. Et salut Wivare, je sais pas si je t'avais dit bonjour. Ok. Premier combat de boss. C'est parti. Alors. Parti. Alors d'abord tu vas voler. Escrime. Non. Tu vas faire sentinelle. Non, pas sentinelle. J'ai pas... Ah oui, c'était Emus. Inflige des dégâts et abaisse la force d'un ennemi. Voilà. Un petit tir rapide. Tu voles. Il n'y a rien à voler. Parfait. Émousse. Et on va faire tir rapide. Inflige des dégâts à un ennemi. Inflige tir maxi. Voilà. Parfait. Tu vas faire escrime. On va faire une lampe de... Une lame de foudre. Parce que c'est un élémentaire d'eau, je pense. Ouais. Tirs spéciaux, balles perçantes. Ok. Riku, qu'est-ce qu'elle a? Oui, il est moche, Kalia. Il est très moche.
Tu attaques. Sentinelle. C'est quoi Sentinelle? J'ai pas vu. Réduis les dégâts physiques reçus jusqu'au tour suivant. Tir rapide et tu attaques. Vous voyez, quand il y a écrit gâchette, en fait, j'appuie sur l'équivalent d'Era, en fait, sur la PlayStation. Dextérité, non. Je attaque. Elle fait. Tir spéciaux, un tir maxi. Ah oh. Tu vas refaire une lame de foudre et tu attaques. Voilà. Allez! Allez, on lui a fait trop trop mal. Oh là là, cette stratégie de fou. Bonjour Akio, bienvenue sur le stream. It's obvious to the trained eye, that spear's just a dud. Perfect for the dull wings. Youth wins again. Well, I guess we'll be taking this. Yeah! Salut Biohazard, bienvenue sur le stream, comment vas-tu? Ah, bah voilà! Ça, ça fait plaisir. Et plein de Gilles, nous aimons, plein d'équipements. Ah, c'est cool. Parfait. Ok, donc, maintenant qu'on a fini la mission, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, je vais avoir, comme je vous ai expliqué, pour chacun de nos protagonistes, des Vétisphères, qui sont donc des jobs qui sont accessibles pour toutes les personnes, c'est-à-dire Saruyuna, Pain et Riku. Mais je vais me concentrer, eh bien, pour commencer, par me spécialiser dans vraiment un rôle à chaque fois, à savoir tireuse pour Yuna, voleuse pour Riku et guerrière pour Pain. Je vous montre comment on augmente, si je me trompe pas et si je me trompe vraiment pas. C'est dans compétences, je vais par exemple aller voir Yuna, et je vais aller dans tireuse, voilà. Je vous explique maintenant comment j'acquiers de nouvelles compétences. Ça se fait par, en apprenant des PC. Dès que je vais faire un tour d'action, je vais gagner un PC. Je sais pas si c'est clair. Si je veux apprendre par exemple tir magique, j'en ai 11, je vais devoir en faire encore 19. Il va falloir que je fasse 19 tours d'action pour pouvoir acquérir cette compétence. Donc, je pense que tir magique, c'est attaque magique sur un ennemi, c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur Riku, c'est le rôle de voleuse. Là, on apprend voler du temps. Alors moi, je pensais, par exemple, que décamper serait mieux. Parce que c'est fuir le combat tous ensemble. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour Pain, on a donc guerrière. Et on apprend l'aqualum, donc c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que vous voyez que là, j'ai appris à la suite langue de feu, épée de glace, sabre de foudre. Et maintenant, ce sera aqualum. Ok ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre. Tout en sachant que dans les vétisseurs qui sont disponibles pour chacun de nos protagonistes, j'ai tireuse, guerrière, chanteuse, voleuse et estivante. Donc, je prendrai tireuse pour Yuna, guerrière pour Pain, chanteuse pour Yuna, voleuse pour Riku et estivante, on va voir. Ok? Et je vous parlerai des palettes un petit peu plus tard. On va faire comme ça, j'espère que ça a été clair. Et on continue. Brother, he's not with you. Nous sommes de retour donc sur le Celsius. Something about Yuna being in trouble, then he just jumped ship. And here he is. He's alive, right? Just leave him there. Can you analyze the sphere we found? I'm on it.
Ok les amis, alors je vois que Vandra tu connais pas Steven, c'est une nouveauté de la version 10.2 HD Remaster, elle n'était pas présente dans le jeu de base en effet. Et si on regarde dans Vétisphère, ça nous dit quoi? Ah, avec cette tenue, c'est pour tous les jours la fête, tout le monde peut utiliser feu d'artifice, mais à chacune sa façon de faire la fête. L'enthousiasme est l'armée de choix de l'estivante. Voilà. Vous retrouverez le guide officiel de Falcon prochainement chez votre marchand de journaux. Salut à toi, Maisie Williams. Bienvenue sur le stream. Comment vas-tu? Ok, donc, Frangin n'a pas l'air de se sentir bien. On va parler au personnage. T'en fais pas, on peut voler avec le pilote automatique. Autrement dit, que Frangin soit là ou pas, ça ne fait pas la différence. C'est pas très cool pour lui. Si tu veux savoir ce qu'a donné l'analyse de la sphère, demande à Shinra. À parler à Frangin. L'ignorer ou le réconforter? Allez, on va le réconforter. Thank you, brother. It was it's nothing. Don't strain yourself. Leader must be tough. Sicko! Ok. T'en fais pas, on peut voler avec le pilote automatique. Oui, 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 oui. Noxusai, est-ce que je peux observer? Non. Je vais peut-être parler un petit peu, du coup, à lui, peut-être. On va voir. Je collecte des infos, un peu de patience. Donc, bah écoutez, on va parler donc à notre copain Shinra. Analysis complete. Wanna watch the sphere? I can't believe I actually got a ticket. What a thrill to be able to shake her hand like that. Think it's worth anything? It's not very exciting. Junk. But we can use it as a dress sphere. Ouh, vous avez gagné la vêtisseur mage noire. Ouh, ça c'est cool, ça va être bien. Oh oui. Oui, 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 oui. Ok, nouvelle mission disponible. Je vous ai prévenu qu'au début, ce serait très what the fuck. Hein. What is it? The treasure sphere data you've been dying for. There's at least one on Besaid Island. And another in the Xanarkin ruins. So, where to? Poto s'occupe de rassembler les informations. Pour faire progresser l'histoire, c'est à vous de sélectionner les destinations signalées sur la carte de Spira par le mot « important ». Pour ouvrir le menu de sélection des missions, parlez à Poto, appuyez sur B pour en sortir. Au fur et à mesure que vous remplissez des missions, vous collectez de nouvelles informations importantes qui vous guident vers d'autres missions et d'autres quêtes. Ainsi, c'est vous qui êtes responsable des tournants que prend l'histoire. Ok, je t'explique comment on utilise le menu de sélection des missions. La liste des destinations est affichée à gauche. Les endroits pour lesquels on a eu des informations importantes sont indiqués par le mot « important ». Alors, une sœur à Besaid. On a détecté une sœur sur l'île de Besaid, recueilli les informations, village est trouvé là. Il suffit de choisir un endroit avec A pour voir les informations et missions qui s'y raccordent. L'indication du filtre avec le nom d'étoile en bas de l'écran donne une idée du niveau des combats dans le lieu sélectionné. Plus il y a d'étoiles jaunes, plus les monstres qui s'y trouvent sont forts. Voilà, tu sais tout. Alors, on va... Eh ben, tu me permets de fermer le menu. Et que je vous explique d'abord les visiosphères. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'étaient pas présentes sur le premier live. Et donc, nous allons visionner la première sphère. Le centre, on va dire, de tout où est parti, quoi. Tout simplement. Donc, visionner sphère.
par où tout a commencé. Et donc là, la sœur qu'on a eue, c'était Zanarken la Grande. Donc pour ceux qui ont fait FF10, hein, avec moi, sans moi, avec d'autres personnes et compagnie, je pense que cette sphère, ici, se passait 1000 ans dans le futur. Pardon, excusez-moi. 1000 ans dans le passé. Ce qui veut dire que c'était du temps du tout début de jeu avec Tidus. Zanarken la Grande et Merveilleuse. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Et on va recommencer par celle-là. La sphère qui a dessiné Yuna rejoint les Albatros, date et nature de l'enregistrement inconnu. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe pour les missions. Et là, ça va être à vous de jouer, à vous de m'épauler, à vous d'être mes guides, tout simplement. Je vous explique. Le principe de Final Fantasy X-2, c'est de reparcourir le monde de Spira en acceptant des missions. Certaines qui vont être importantes, comme on a vu juste avant, d'autres qui vont être annexes. Mais, il faut savoir qu'il y a des missions secondaires qui sont cachées. Ce qu'il va falloir donc faire, en gros, c'est ne pas forcément aller tout de suite vers les missions importantes. Pourquoi ? Parce que je vous ai expliqué, plus j'aurai un pourcentage de scénario le plus grand possible, plus j'aurai la chance d'avoir la meilleure fin possible. A savoir que, je vais vous le dire maintenant, il y a 3 fins différentes pour ce jeu. J'espère avoir au moins la deuxième meilleure, pour une première tentative. Donc, je vous cache pas que là, pour l'instant, ça va être de la mission principale. Mais dans les lives qui vont arriver, je vais vous montrer tout de suite. Et dans chaque acte, il va falloir faire... l'exploration de toutes les zones que nous avons fait sur Spira. Voilà. Et ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va commencer par... Bethsaide. Après, vous pourrez me dire, ouais, mais ton pourcentage, il augmente. Va directement à Zanarken. Non. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que je vais aller vers un nouveau lieu, à savoir Kilika, Luka, Rudemi Lane, Rudemi Korox, etc., dès que je vais avoir une cutscene où Yuna va interagir avec nous et nous faire des petits monologues, je vais faire booster mon pourcentage de scénario que vous voyez. Et c'est non négligeable, on va dire. Non négligeable, bien sûr. Salut à toi, Talia, bienvenue sur le stream. Donc c'est pour ça que, pour l'instant, on va dire que pour les streams qui vont se faire avant la Japan Expo, ça va le faire. Par contre, pour la suite, ça va être la galère. Donc j'espère que vous serez là, vous serez présents, vous serez là pour m'épauler et que ça va bien se passer. Allez les amis, on va commencer donc par Bethsaide. Et comme je vais vous le dire, là on va avoir le droit... un monologue de Yuna qui va nous rappeler certaines choses par rapport à FF10, qu'est-ce qui s'est passé entre FF10 et FF10-2, etc. Et après, ensuite, on fera Kilika, Luka, et ce que je vous ai dit, jusqu'à Zanarken. Voilà! Allez, go! On a détecté une sphère sur l'île de Bethsaide, recueillir des informations au village et retrouver là. En route! Voilà. Donc, on est directement transporté ici. Et nous, on va aller au village. This must be how a runaway feels after finally coming home. This is the first time I've returned to Bethsaide since my journey began. I'm a little nervous. I bet. The way you took off without a word. Yeah, you said it. You caused quite a fuss, young lady. No, I'm sorry.
Well, as long as you're okay, yeah? Your friend? Oh, this is Payne. We're looking for spheres together. So, you're a sphere hunter now. I heard the rumors. To tell you the truth, I wasn't too worried. Gotta say, though, you, do seem pretty different. Oh, you haven't changed a bit, Tubby. Whoa, cut it out, yeah? I'm gonna be your father soon. Got to have a little more presence, you know? How much longer? Any day now. Waka, a daddy! To tell the truth, I sure don't feel like one. I mean, how do I know how a father's supposed to act in front of his kid? Why not just do what your parents did? Don't remember him. Sin saw to that when I was still little. You don't have any spheres of them? Nope, not a single... Oh. What's wrong? Nothing. Anyway, do me a favor and go say hi to Lou. She's been worried about you. Get going. Waka qui n'a plus de souvenirs de ses parents. Je rappelle qu'il avait un frère qui s'appelait Chapou, hein, quand même pour info. Donc, moi j'espère que voilà, on va se faire un pacte entre vous et moi. J'espère que c'était clair dans mes explications. Je compte sur vous pour m'épauler, pour m'aiguiller, parce que si vous voulez qu'on fasse vraiment, je vais pas dire un 100%, mais la meilleure fin possible, je compte sur vous. Vraiment, parce que sinon je sens que je vais galérer un max. Voilà, allez, on va faire un petit peu d'exploration. Damiona, je suis content de vous revoir, vous avez l'air en pleine forme. Vous êtes devenue chasseuse de sphères, ça doit être amusant. Alors, Waka, je devais peut-être aller jeter un coup d'œil, mais je sais pas trop. Et salut à 2H, bienvenue. Des voix françaises avec FF10-2. Intéressant, oui et non, on va dire quoi. Content de te revoir, Yuna. Tu n'as plus du tout l'air d'un grand invoqueur. Merci. Ok, donc la recherche de Loulou. Alors ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a des points de sauvegarde automatique assez fréquemment. Hein. C'est toujours ma femme qui s'occupe de la maison. Il faut bien que je l'aide un peu de temps en temps. On reconnaît bien tous les personnages et moi je suis vraiment content de... Bon après-midi à toi, Talia, merci d'être passé. Coucou The Godbidou, bienvenue à toi sur le stream. Merci à toi pour Killer of Time pour le... Ouais, pour tenter pour le faire à 100% parce que c'est vraiment pas évident. Alors je crois que Loulou est dans la tente ici au milieu à droite. Toi, on t'a parlé? Voici donc le village du grand invoqueur qui nous a délivré de Sin. C'est sympa comme endroit. Ok. Alors, toi. Je regarde si je trouve pas un truc rare. Alors, tu n'aurais pas un truc rare? 900 000 gilles, la clé de BZ. Je la prends. Ah, tu n'as pas assez de gilles. Faire des achats. On va regarder. Potion, tout ça on a. Ok. Permet d'effectuer des attaques d'eau. Qu'est-ce que ça? C'est des bagues. Ouais, 3000, c'est cher, hein. Tu vas en prendre 4. Voilà. Salut, 15A, bienvenue sur le stream. 15-4A, pardon. Bienvenue sur le stream. C'est là toi, Macy Williams. Bienvenue sur le stream. Moi, je t'ai déjà dit bonjour. Je ne me rappelle plus. Bref, vaut mieux que je le dise deux fois que pas du tout. À savoir que ici, normalement... Attendez, c'est moi où j'ai vu un coffre? Non, c'est pas un coffre. Ici, je me rappelle de cette zone. Elle n'était pas mise vraiment en évidence sur la carte. Et... on avait des coffres. Alors là, avant, c'était la tente des bannisseurs, si je me trompe pas. Enfin, je revois encore Lusu et Gata juste là. Yuna, t'es de retour au village, j'espère que tu vas rester un peu. Alors là, on retrouve, j'ai l'impression, l'équipe des Bissed Orocs. Tous les bannisseurs sont allés sur le continent pour entrer dans la Ligue des Jeunes. Nous, on se tourne les pouces en attendant le prochain tournoi.
Hey! J'économise mes forces pour le prochain tournoi. Mais ça fait tellement longtemps que j'économise mes forces que je commence à me rouiller. Lol. Yuna, je suis content de te revoir. Ici, c'est comme d'habitude, tout le monde vit sa petite vie tranquillement. Non, normalement, il y avait des chats et tout ça, je m'en souviens. Oh là là, la nostalgie. T'exagères quand même d'être parti sans prévenir. Bon, ça fait du mauvais sang pour toi, enfin. T'as l'air de bien t'amuser, c'est le principal. Alors, en parlant d'équipement, on va regarder un petit peu ce qu'on a pour nos personnages. Voilà, parce qu'on n'en a pas mis, alors. Augmente les HP, augmente les MP. Bah, je mettrais bien ça, un petit gantelet de fer. Augmente la magie et l'esprit de 5. Protège de poison. Oh! Ceinture d'or, je la mettrais bien à Riku. À Pain, pardon. Anneau féerique. Ensuite, pour toi, on va te mettre ça et ça. Toi, on va te mettre, j'ai dit ça et ça. Moi, en fait, comment jouer un petit peu l'équipe type? Je vois bien Yuna intermédiaire. Je vois bien Riku mage et Pain spécialisé vraiment dans la force. Vous voyez ce que je veux dire? Riku dans la magie, Pain dans la force. Après, je sais pas si vous feriez ce choix, mais pour l'instant, je vois bien ce type un petit peu, quoi. Alors. On va aller, avant de voir Loulou, on va aller au niveau du temple. J'ai bien envie de voir ce qui s'est passé. On va peut-être pas parler à tous les personnages quand même aussi. Alors, je ne sais plus s'il y a des coffres ou pas. Alors, c'est dommage parce qu'on a, l'option sauter, mais on peut pas le faire. À peu près escalader des 2 cm, quoi. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de vous retrouver sur ce jeu. C'est... Franchement, moi, ça fait un an que je l'avais pas repris et waouh, je suis vraiment content. Voici donc le village. Oui, bon, ça, c'est bon, on l'a déjà vu. Là, il y a un enfant, j'ai vu. Tu m'attraperas pas, et tu nous as mis dans le truc. Ok, avec cette musique super angoissante, je m'en rappelle. Oh, mais vous êtes toutes fringantes, les voyages forment la jeunesse. Est-ce qu'il y a du monde à parler? Non. Donc, on va d'abord aller. Hop là. Est-ce qu'on a des choses? Toujours observer, hein, toujours observer. Dame Yuna, êtes-vous déjà allé dans la grotte des ruines? Pas encore. Revenez me voir quand vous y serez allé, je vais vous dire un secret. D'accord. Très bien. J'espère que le jeu vous plaît, en tout cas. Vraiment, sachez-le, moi, ça me fait vraiment super plaisir d'y revenir. N'hésitez pas à me dire quand je vais louper des coffres ou des choses comme ça, hein, quand vous les voyez visuellement. Ah bah, par exemple, ici. Il faut la clé de Bessette pour ouvrir ce coffre, mais impossible de remettre la main dessus. Bah, la clé de Bessette, c'est... C'est le... la vendeuse qui l'a, donc 900 000 giles, c'est... Ah j'en tousse moi-même, hein, si vous voyez ce que je veux dire. J'en tousse vraiment moi-même, donc c'est chaud. Ah! Voilà, désolé. Oui, je fais des bruits bizarres aujourd'hui, faut croire. Salut! La salle de l'épreuve est condamnée. En tant que grand invoqueur, vous devriez le savoir. Excusez, hein. Ah là là. J'en tousse de... il est 53. Est-ce qu'on ferait pas la pause maintenant? C'est après, on va avoir une cinématique importante avec Loulou. Donc, est-ce qu'on a tout fait? Je crois pas qu'on ait fait celle-là. Ouais, en effet. Salut Yuna, alors il paraît que tu recherches, que tu parcours tout Spiral en recherche de sphère. Donc rassurez-vous, là j'explore toutes les zones, mais c'est parce qu'on est au premier acte. Hein. Après ça ira beaucoup plus vite hein, dans les autres, hein, rassurez-vous. Hein. Dans les autres chapitres, on fera pas tout en détail. Hein. Le village a retrouvé son calme depuis que les gens ne viennent plus te voir. Ah bon? Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait vu ça dans Eternal Calm, rappelez-vous. Ok. Toi. Je t'avais pas reconnu sur le coup. Bon bah c'est normal, on a tellement changé. Ok les amis, je vais mettre sur pause. On va aller ici. Non c'est pas ça. S'il te plaît tu me fais ça. Hop là.
tu vas baisser le son, merci. Bah écoutez les amis, on part en pause. À dans 5 minutes. Bisous. Thank you.
Hey, re tout le monde pour cette deuxième partie de ce troisième live sur Final Fantasy X-2. J'espère que la pause s'est bien passée pour vous. X-2 HD Remaster, il faut pas que j'oublie à chaque fois. J'espère que tout va bien pour vous et tout, et tout, et tout. Alors, je vais mettre les choses directement au clair parce que je vois qu'il y a, on pourrait dire, comme un petit problème sur le chat. Je me cire royalement, mais honnêtement, je m'en contrefous royalement de qui a raison ou pas qui a tort dans les modos. Je vous le dis honnêtement, clairement. Vous réglez ça entre vous, d'accord ? Vous ne polluez pas le chat, honnêtement. Parce que, bah, même vous voyez, entre les viewers, là, ça fait popcorn et compagnie, donc vous montrez une mauvaise image. On réglera ça après sur mon chat. Si vous voulez partir en vocal avec moi, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on évite de penser à autre chose, on se concentre sur le jeu, et on profite, d'accord ? On est là pour passer un bon moment, n'est-ce pas ? Allez, j'espère que vous allez toutes et tous bien, on est reparti, let's go. Et normalement, nous étions arrivés à Bayside, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça, nickel. Et nous allons aller voir notre petite loulou nationale. Let's go. Alors, tu trouves qu'elle a grossi, toi? C'est une amie d'enfance. Ça a été surtout notre gardienne. Welcome back. Hi, Lulu. So, tell us about the baby. It's gonna be born soon, right? Not yet. Waka's getting a little ahead of himself. Ah, bummer. So, care to go for a little walk? Can you? I could use the exercise. Come on. J'aime beaucoup cette cinématique, soyez attentif. So, what's so important that you'd run off without telling us? This. The sphere. Waka told me about it. Kimari said he found it on Mount Gagazet. Tiens, vous voyez qu'on dit Gagazet? Allez, boum! Pardon. It does look like him, though something seems a little off. Have you found anything? Nothing. But there's still a lot of places we haven't looked yet. Must be fun, being free to go where you please. It is fun. I never expected a journey quite like this. I'm not there, so you can spread your wings? Maybe. Ah. You have spread your wings. Well, good luck. But, Yuna, never forget who you are. Elle a vu des boobs. You're the High Summoner that defeated Sin. There are those who would use that, Yuna. I'll be all right. I won't let myself be used anymore. Not by anyone. Ooh. It kicked. Really? I want to feel. Since you've come all this way, why not stay the night? D'accord. Et je regarde aux alentours. Ok. Bon, bah écoutez. Si vous avez des questions concernant le scénario, n'hésitez pas à me demander. Hein. Je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil, mais je sais pas trop. Ok. Je pense qu'on a tout exploré, non ? Attendez, j'ai peur de faire une bêtise. On va quand même aller au temple pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à faire. Mais je pense pas. En tout cas, je suis content de vous proposer la version Steam parce que les temps de chargement sont parfaits. Il n'y en a pas. Quasiment, très peu. Et ça fait plaisir. Ah. Moi, j'ai pas peur d'entrer dans le temple. D'accord. Ah, il est encore là, lui. Passer la nuit.
Est-ce qu'il faudrait que je retourne voir Loulou, peut-être? Pour débloquer la suite du scénario, parce qu'on a bien exploré. Ce serait pour nous laisser une chance, peut-être, d'explorer la zone. Écoutez, on va y aller, hein. Vous restez dormir ici, avec plaisir ou une autre fois? Bah écoutez, avec plaisir. C'est pas sur ce lit que Tidus avait été resté aussi couché un moment juste avant de dormir. Les histoires se suivent entre les Final Fantasy. Non, sauf doublons genre FF10 et FF12. Voilà. Ok les amis, alors... Dans le chat, c'est pas parce que j'ai poussé un coup de gueulant que Cadran est intervenu dans le chat qu'on peut pas parler normalement sur le jeu, hein. Rassurez-vous, je serais pas là à vous dire « Ah, mais ça va pas parce que vous parlez d'autre chose, etc., etc. » Ah là là, vous pouvez dire, hein. Le son bien angoissant dans le temple, exactement, et ça change bien par rapport à FF10, hein. En effet. Et en fait, moi, c'est ça, en fait, et j'ai vu qu'il en venait que tu m'avais suggéré de faire les phases de dialogue annexes en off. Je te répondrais « Oui et non ». Oui, parce que ça vous éviterait peut-être de voir que du secondaire, mais j'ai envie de savoir, et j'ai envie de vous faire profiter, eh bien, les passages qui se... Enfin, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'on est dans le détail entre FF10 et 10.2, HD Remaster, bref. J'ai envie de vous faire partager tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Ouais, c'est ça, c'est exactement de ça, tu as compris. En gros, les jeux ne se suivent pas dans chaque Final Fantasy, sauf pour le 10 et le 10.2. D'ailleurs, il y avait même un 10.3 qui avait été annoncé, hein, à la base. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité, merci la moto. Et le 13, 13.2 et Lightning Return. Exactement. Allez, on s'est réveillé, c'est le début du matin, et puis on va voir ce que ça donne. Hello, comment ça va? Bonjour. Alors, je crois que... Voilà, Lolo. Good morning. Oh, where's Waka? He left at daybreak. He said something about a cave. A cave? I wonder what he's up to. Want us to go find out? Yeah, there might be fiends. Thanks. Though I doubt he'd have trouble handling a few fiends. Still, I'm a little worried. It's not like Waka to hide things. That's funny. I don't remember there being any cave. I don't know much about it either. Would you mind asking around? Bah écoutez, aller chercher Waka, bien sûr. Et vous voyez, en fait, on va arriver dans une zone. On va parler un petit peu avec les personnages, faire des retrouvailles. On va devoir chercher un petit peu pour activer une mission. Et la mission se terminera donc au moment où on aura rempli l'objectif. Et on aura fini avec le lieu. Voilà. Waka sera allé dans une mystérieuse grotte. Partez à sa recherche en vous basant sur les informations que vous pouvez récolter auprès des villageois. Il y a peut-être un trésor à la clé. Critère de récit, trouver Waka et un trésor peut-être. Ok. Il y a peut-être quelqu'un au village qui connaît cette grotte. Une grotte sur l'île? Je n'y suis jamais allé, mais j'en ai entendu parler. Il paraît qu'on y accède par les ruines au croisement avant d'arriver à la plage. Alors, est-ce que ça sert que je parle à tout le monde ou pas? Quand j'étais petit, on m'a parlé d'une porte qui s'ouvre grâce à 4 chiffres. Très important. Alors, je sais où aller, hein, la grotte, rassurez-vous. Ce que je ne me rappelle pas exactement, c'est... Où sont les codes? Parce que je crois qu'il y a un système, justement, de codes. Non, il n'y en a pas ici. À chaque fois, je crois qu'il y a un coffre. Ça m'énerve. Salut! Un ami a parlé de cette grotte il y a longtemps. Il disait qu'il faut un code à 4 chiffres pour y entrer. Il disait aussi que ces chiffres étaient cachés dans différents endroits de l'île. Voilà. Salut à toi, Spiz. Bienvenue sur le stream. Re à toi, Tenchi. Bienvenue, re-bienvenue sur le stream. Ok. Oh, je pense que tout ça, on va faire l'exploration de la zone. Hein. Moi, j'ai bien envie de voir. On va juste passer comme ça. Hop là. Bah, on va peut-être sauvegarder. Allez, regardez, on a gagné déjà 1%. C'est déjà pas mal, non? Voilà, et on va avoir des combats.
Ok. J'aime bien l'effet du vent sur l'herbe, ça va, c'est très bien. Ah, lui, il était sensible au feu, je crois. Putain, on tape fort avec... avec Payne. Hein. Voilà. Ok, alors, maintenant je vais vous parler des palettes. Les palettes sur lesquelles nous allons disposer les différents rôles. Par exemple, ici, j'ai la palette premier pas. Cette palette possède 6 emplacements. Yuna, Payne et Riku utilisent cette palette. Voulez-vous vraiment modifier la disposition des vétisphères? Oui. Alors, à savoir que... je vais mettre, admettons, Mage Noir ici et Estivante ici. Voilà. D'accord. Ah d'accord, c'est pour les trois. Pour les trois personnages, c'est la même palette. Pourtant, j'étais persuadé que c'était une palette différente par personnage. Le Blitzball a disparu ou ça se joue toujours dans le 10-2? Tu me poses une colle. Tu me poses une grosse colle et je pense que dans le chat, on va te répondre. Le système de combat a changé. Oui, énormément. Ah, vous voyez. Regardez, regardez, regardez. On va voir un code, là. Ici, on pouvait prier, on récupérait nos HP et nos MP dans le premier FF. 10. Et je crois qu'ici, voilà, on a un code. 5. Alors, je crois que si je vais ici... Voilà. On ne peut pas, parce qu'ici, c'était la sortie d'où on arrivait avec Tidus et Waka dans le premier jeu. Dans cette magnifique phase d'exploration sous... sous-maritime. Maritime. Donc, voilà. Alors, regardez ici, il y en a un deuxième. Voilà, faut monter je crois, voilà c'est ça. 4, alors rassurez-vous, hein, ça sera noté automatiquement. Ici on avait les codes, je m'en rappelle, pour FF10 pour avoir une zone annexe. Any trouble? We're fine, how about you guys? My heart is aching. Huh? Ok, c'est cool, ah ça me fait tellement plaisir. Franchement, cette musique, Blessed Island, elle a rien à voir avec le premier FF10, mais alors... Je la trouve tellement reposante, sans blaguer, tellement belle. Vraiment. Hein. Je rappelle qu'ici, on pouvait y accéder, mais là, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire quelque chose. Regardez, c'est super joli, quoi. Je regarde un petit peu, vous, la qualité, ce que ça donne. Limite, franchement, pour vous dire, vous avez une meilleure qualité que moi. Vraiment, pour vous dire. C'est magnifique. Je trouve ce jeu très, très beau, et quel plaisir de retourner sur FF10, vraiment. Alors, je crois que... Regardez, en bas, là. Le petit arc-en-ciel, ouais. Je crois qu'ici, voilà. On a des combats. On va pouvoir déjà combattre, première chose. Alors, Escrim, tu vas faire une langue de feu. Tu attaques et tu attaques. Alors, quand je vais utiliser de la magie, ça va... Une deuxième jauge... Oh oui, 164, j'avais raison. Salut Aframond, bienvenue sur le stream. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on va avoir de la magie, on va avoir une seconde chose qui va se charger le temps eh bien, que notre attaque se prépare. Alors, c'est très tuto pour le moment, hein. C'est très très tuto, mais je veux vraiment essayer d'être le plus complet avec vous. Hein. C'est bon. Le HD Remaster est 1000 fois mieux graphiquement que celui de la PS2. Oh oui. Ok, donc on sait... Langue de feu. Mais pour cela, regardez ce que je vous disais, regardez Payne. Là, la jauge en violet. Là, elle est remplie. Allez, limite on le one shot. Alors, il y a des gens peut-être dans le jeu qui se demandent pourquoi Yuna... a des yeux, les deux yeux de couleurs différentes, à savoir bleu et vert. Si vous ne connaissez pas la réponse, je pourrais vous le dire, ce serait pas du spoil, hein, ça nous l'est clairement dit dans FF10. Voilà, donc, si je me rappelle bien, la grotte, elle doit être... Alors, déjà, je voudrais aller voir par là. Il n'y a pas un petit coffre ou une marque, non? Non, rien du tout. Vous voyez, avec Tidus et Waka, c'était ici, et on sautait. Il est super beau comme jeu.
Alors, la grotte, je croyais qu'elle était par là. Oui, elle est là, c'est ça, regardez. Elle est là. Donc, chiffre connu, 5 et 4. Donc, il nous en manque encore 2. Bah, allez, il ne se passe rien, ce qui est normal. Alors, on va aller voir par là. Faut aller au niveau de la plage, je crois, maintenant. Bah non, je suis curieux pour les yeux. Donc, à savoir que Yuna, en fait, a un père humain. Donc, pour ça, le côté des yeux vert, je crois. Attendez, j'ai un doute. Non, bleu, c'est pour le côté normal. Et sa mère est albède, donc les yeux verts. Voilà, tous les albèdes ont les yeux verts, si je me trompe pas. C'est bien ça, oui. Si je me trompe pas, c'est ça. Donc, les yeux verrons qu'on appelle ça. Exactement, c'est ça, Odozanch. Je suis désolé, j'ai pas l'impression des fois que je suis très clair. Tu triches! Et nous, hop là! Voilà. Viens jusqu'ici si tu peux. Alors je crois que... Voilà, regardez. Le code est juste là. 5. Alors à chaque fois que le code, quand vous recommencez une partie, ce n'est pas le même. Alors, je me demande si... Non, on peut pas descendre, d'accord. Je pensais qu'il y aurait un coffre, en fait. Je sais pas ce que ça fait penser comme... comme décor. Moi, ça me fait penser, genre, aux îles tropicales et tout ça, quoi. Hop là, parfait. Yuna here. Huh. That was weird. Mais qui essaie donc de nous contacter? Ah. Je rappelle qu'on est toujours en contact avec Poto et Frangin, hein. Qui sont, eux, des albèdes, comme Riku, bien sûr. Donc, je crois qu'on ne peut pas nager, en effet, c'est ça. J'allais dire une grosse boulette, mais non, en effet. Alors, qu'est-ce que nous avons? Au cas où, on vérifie, hein, si on n'a pas de coffre ou tout ça. Bon, c'est ici qu'on a notre voyage à commencer avec Yuna, rappelez-vous. Il n'y a personne sur le ponton, on va vérifier, hein. Je serais assez... Citez-moi des noms de pays que ça vous fait penser, quoi, ces décors. D'accord, donc... Il n'y a personne. Pourquoi pas. D'ici quelques lives, ça va être l'apocalypse. Oh oui, je sais, c'est pour ça que j'en profite maintenant. Il n'y a pas de coffre. Oh, intriguant, je trouve. J'aurais pensé... Alors, je crois que... Voilà, le quatrième code, il va être par là. Je check toujours la zone hein, pour voir s'il y avait un coffre. Voilà, on peut monter. Et... 7. Voilà. Très bien. Bon, bah voilà, on a les codes. On va pouvoir aller dans la grotte mystérieuse. Et voir donc ce qu'il y a dedans. Et je vous rappelle qu'on a peut-être un trésor à la clé. Et on ne sait toujours pas où est Waka. Si vous pensez que j'ai loupé des choses, n'hésitez pas à me le dire. J'ai l'impression qu'on peut toujours sauter. Enfin, c'est tellement une nouveauté dans FF10-2, contrairement au premier FF10, que c'est la vie, quoi. Ouais, c'est ça que j'aime bien, par exemple. On va arriver, par exemple, à la fin du live. Les Bahamas ou quelque chose comme ça, en effet. Et bah, je me dis... Voilà, là, ça sauvegarde, on peut se dire au revoir et on sera pas en train de stresser parce qu'on n'aura pas de serre de sauvegarde à côté. Et ça, je trouve que c'est vachement sympa. Hawaï, voilà, moi, ça me fait penser à Hawaï aussi. Hawaï, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hawaï. Alors, nous avons le code. Donc, 5, 7, 5 et 4. Waquel joue à Pac-Man. Code correct. Yeah. Go! Oh là. Bonjour. Something wrong? We came to check on you. Is there something in this cave? Yes, something like that. Who knows, maybe it's not here, yeah? But I thought, what if? Maybe it's for real. Then again, maybe it never was. Been so long, I'm not sure anymore. So, you're saying there's something that might be here, and you want to know for sure, right? Right. But, you see,
I want to know, and then I sort of don't want to know. Oh, man. Make up your mind. What is this thing anyway? Well, see, I heard there was this old sphere. A sphere? Of what? A sphere of, you know. What does it matter? Hey, whoa! We're sphere hunters, remember? Look! It's as good as ours! All right, go wings! Time for business! Oui, Eriko, on a bien vu qu'elle avait les yeux verts, là, je crois, sur ce plan. Coucou Vanella, bienvenue à toi sur le stream. Et je dis bonjour aussi à Mrs. Bigger, que je n'avais pas vue, ou alors qui fait sa petite ninja. Ok, si ça se trouve, il n'y a rien du tout. Moi, je voudrais juste aller voir à droite avant. Voilà, tu m'excuseras. C'était quoi le code? 5, 7, 5. 57, 54 le code qu'on a rentré, non? Non, ça se trouve, ça n'a rien à voir. De toute façon, je crois que pour l'instant, on va pas pouvoir faire cette zone. Bon, bah après quelques mois, ce personnage se trouve déjà le ridicule de son nom. Tu parles de qui exactement, Tenshi? Nice knowing you. Ok. Allez, on va aller au fin fond de cette grotte. Et allez, place à l'action. Allez, je pourrais peut-être vous montrer Pain. On est là. Ah, j'aimerais bien vous montrer Estivante. La classe! N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, festival? Utilisez les compétences d'Estivante. Inflige les dégâts et obscurité sur un ennemi. Oh, ça fait mal! Regardez l'attaque. Et on a appris décamper avec Rico. Parfait. Ah, Waka, ok, Tenshi, pas de soucis. Très, très bien. Alors, si je me souviens bien... Yes, sir. Just ignore him. Ok, j'avais pas vu Odoza, je t'en prie, excuse-moi. Je n'avais point vu ton avant-dernier message, du coup. Ok. You're not getting away. Confident, huh? Oh, je m'en rappelle. Fallait avoir... Comment ça s'appelle dans FF10? La compétence percée, voilà, c'est ça. Oh, regardez le petit ton de Berry, c'est super classe! Ah, j'aime bien. Alors, si vous voulez que je vous montre, pas pour tous les personnages, mais pour vous montrer certaines vétisphères pour des personnages, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Ils font mal avec Aquaball, là. Tellement classe, ça c'est tellement ridicule aussi d'une certaine manière. Non, c'est pas par là. Hop, 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 hop. Je suppose que tu l'as déjà fait en entier, le jeu, non. Pas du tout, The Spies, pas du tout. Je l'ai jamais fini de mon côté. J'ai dû faire que la moitié à peu près. Et encore, je savais pas qu'il fallait tout explorer à l'époque, tout ce que je vous ai dit avant. Hein. Donc au début du live. Oh là, oh là, oh là, oh là, on a peut-être besoin, ouais. Parfait. Alors, je serais juste... Et dans compétences, Riku, voleuse, maintenant on apprend quoi? Oben, qu'est-ce que c'est que ça?
gagner les objets après les combats. Oh, ouais, ça peut être pas mal. Très bien, du coup, je voulais voir donc avec Payne dans Estivante, elle apprend quoi, là? Guérit toutes les altérations d'état et restaure les HP. Oh, sympa, ça. Parfait. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression de faire un petit peu comme dans KHBBS, l'acquisition de ce que je veux comme compétence, et ça, c'est cool. Ok, on va sauvegarder. Comme ça, on récupère les HP, les MP. Hop, hop. 17h25, ça passe trop vite. Ah, j'ai jamais fini FF10-2, non. Je l'ai déjà vu en let's play, mais je l'ai pas terminé. Ok, allez juste là. Oh, elle tape de plus en plus fort, Riku, ça fait plaisir. Et on a appris tir magique. Très bien. D'accord, alors. Du coup, je retourne dans compétences Yuna. Toujours en tireuse, hein. Balle éthérée. Réduit les MP d'un ennemi. Peut-être envie de prendre tir rapide 2, moi. Ouais, prends ça. C'est des sculpts à balles de casse. Ok, allez, on récupère notre sphère. Find the sphere and the fiends appear. Ok, qu'il est pas beau. Du coup, tu vas repasser en guerrière, s'il te plaît. Tu voles et tu attaques. Ouais, je vous montrerai Yuna en guerrière, y'a pas de soucis. Je vous fais ça tout de suite, je sais pourquoi tu me demandes. Et j'ai quelque chose à dire en particulier. Alors, potion plus... alors, je dirais quoi cet ennemi? Je dirais... d'abord Emus. Passe... ah, il fait mal. Peut-être en danseuse d'abord. Alors, sur la palette, hein, il faut que je passe rôle par rôle. Eh bien, avant d'accéder aux rôles qui sont aux extrémités, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai qu'il était plus grand lors de la cinématique. Et je vais d'abord passer par danser, comme ça on va lui mettre obscurité. Il n'y a rien à voler, parfait. Tu attaques. Voilà. Sayonara. Toi, tu vas passer en... ah, reste comme ça, tant pis. Escrime. Je voudrais bien essayer épée de glace. Et toi, tu vas passer en guerrière. Et bien sûr, vous allez reconnaître une superbe épée qui n'est autre de l'épée de Tidus dans FF10 Fraternité, opérée par Waka à la base. À la base, qui était offerte même à son frère Chapou. On va faire attention à ce qui tape assez fort quand même. Hein. Épée de glace, ça a l'air de marcher à mon avis. Oh oui. On a pris à quoi l'âme? Allez, avec deux guerrières, ça devrait aller vite. Pain, Escrime, tu refais une épée de glace. Est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose? On va regarder. Ok, Escrime, t'as que Emus. Vas-y. Ouf, décamper, on peut pas. Objet, une potion sur Riku. Voilà. Et une potion sur Pain. Du coup, maintenant, c'est Yuna qui a besoin. LOL! Hop. En fait, comme j'ai deux guerrières, je suis un petit peu perturbé, je vous le cache pas. Là. Yuna. Ok. Tu vas faire une épée de glace et tu attaques. Parfait, on s'en sort plutôt bien, je pense, non? Je passerai bien
Non, bah, c'est bon. I'm ready for more. Bah voilà. Ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a bien géré. On a vraiment bien géré, ça fait plaisir. Vraiment. Ok. Next. One more for the goings. Bonne soirée à toi, Vinvin. Merci d'être passé. Vous avez gagné la Vétissaire Mage Blanc. Yeah. Ça, ça fait plaisir. Alors, du coup. Palette. Non, tu vas pas changer parce que je vais attendre qu'on ait une nouvelle palette, justement. Et on verra par la suite. Ok, donc on retourne voir Waka. Tu montes, s'il te plaît? Allô? Ah, voilà. Parfait. Hop là! Ça fait plaisir. On s'en est bien tiré, je trouve. Vraiment. Waka! Find anything? We sure did. Let's take a look. Oh, le coffre on l'a eu, mais j'ai pas vu qu'il y en avait un en haut. Ah, et on a gagné la sphère de Bessaïd. D'accord, ok, oui. Je croyais que c'était la clé, mais non, c'est la sphère. Is it? Nah, afraid not. So, what sphere were you looking for? Well, it's a sphere of our parents. Chapu said he found it. Chapu? Oh, your brother! He was a crusader. Now he's gone on to the far plane. Sin got our parents not long after Chapu was born. We were both too young to remember their faces, you know? When we were kids, we got into a fight one time, and Chapu said, I found a sphere with mom and dad in it. But I'm not telling you where it is. And you never asked him? I was too boneheaded to let my little brother win. So I went on without asking until I just forgot about it. Then yesterday, talking with you made me think about it again. Chapu used to play in this cave, so I thought maybe he found the sphere here, yeah? But when I came to look, I got to thinking. About what? See, I got this picture of my parents in my head, yeah? Strong and kind. Whenever things got tough, those are the parents I imagined. But their real faces might be totally different, yeah? I think about that, and I'm not so sure I really want to know. I was sitting there trying to figure out what to do, and then you guys showed up. Oh, that's our Waka. The sphere might still be somewhere on the island. Should we look for it? Nah, that's all right. I'm through worrying about that stuff. What's past is past, yeah? Can't let it get to me. I'm going to be a father soon. Gotta pull it together. That's right, Dad. Et je vous rappelle qu'il attend un enfant avec le loup, hein. But, just how am I supposed to pull it together? Sure wish I had something to go by, you know? You read me? You guys about finished down there? Brother's starting to get on my nerves. Yeah, we'll be back soon. Yes! Et la mission est accomplie, les amis. Vous avez gagné la palette position défensive. Très intéressant. Ok, donc. Déjà, on va passer par la palette. On va faire celle-là. Alors, je veux. Regardez les petits signes. On a
rouge. Constitution, esprit, d'accord. Bon. Est-ce qu'on pourrait pas s'embêter et on fait configuration auto? Ah mais je peux en placer que 5. Non, ça me plaît pas. Comment je fais pour tout annuler? Premier pas, d'accord. Il n'y a pas une option tout retirer ou... Voilà, tout retirer, voilà, parfait. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est, admettons, tireuse, guerrière au centre, mage noir ici, mage blanc là, chanteuse, j'ai laissé de côté, et voleuse en bas. Voilà. Très bien. Donc, c'est parti. On continue. Un coup, il y a une sphère, le coup d'après, il n'y en a plus, il faudrait savoir. S'il veut devenir un papa modèle, vaut mieux qu'il évite de prendre exemple sur le mien. Par le Cid, hein, bien sûr. Alors, j'irais bien voir Shinra. Pourquoi on a gagné une sphère au final ou pas? Oui, emplacement des coffres. Bah non, du coup, on l'a vu que je suis bête. C'est bon. Donc, pour l'instant, on n'en a pas loupé. Ça fait plutôt plaisir, n'est-ce pas? Je suis désolé, je vais vous faire patienter un tout petit peu. Ok. Alors, maintenant, ici on peut pas interagir, non. On va aller voir déjà Frangin. Give it up. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, la prochaine sphère nous attend à Zanarkand. Oh oui, mais si on suit ce que je vous ai dit, nous allons aller à Kilika. 2 ans après l'attaque de Sin, Kilika est renaît de ses cendres grâce à la Ligue. Mais il paraît que la tension monte entre ses partisans et ceux des Neo Yevon. En route. Je rappelle qu'à Kilika... Can you guess where this is? It's Kilika Port. The Youth League helped rebuild it. Now it's a bustling town. At the time, everyone was grateful. But lately, well, there have been signs of trouble. It seems that tension is building between the Youth League and New Yevon. Ok, Vanred, je t'explique. J'ai choisi la palette, donc maintenant on est sur position défensive. Voilà. Et en gros, quand par exemple je vais pas en changer de rôle, tu vois, entre le petit chapeau de Bibi là, tout en haut, et que je vais partir vers la canne, c'est mage blanc, je vais avoir une insigne jaune, donc je vais gagner de la constitution plus 5. Et en effet, c'est en changeant de vertisphère vers vertisphère que je vais pouvoir gagner certains bonus ou malus. Ok, on va sauvegarder. Ok, 9%, vous voyez? Moi, je dis, c'est plutôt pas mal. J'ai un ballon, j'ai un beau ballon. Alors... C'est grâce à la Ligue des Jeunes que Porto Kilika a pu renaître de ses ruines. Alors... Bah écoutez, on va parler au personnage, hein, parce que j'ai envie. Alors toi... C'est-tu ce qu'ils ont pêché aujourd'hui? Quel râleux cette grand-mère alors qu'elle n'achète jamais rien. Énorme. Ok, alors... Il n'y a rien du tout là. Très bien. Toi. Je vous emmène vers la forêt. Pas encore. Tu nous laisses juste un petit peu parler avec tout le monde. Les habitants de Kilika vivent séparés en 2 clans. Les partisans de la Ligue des Jeunes d'un côté et ceux de Neo Yevon de l'autre. Demain, c'est le jour de la livraison au temple. Que diriez-vous de quelques délicieux fruits bien juteux? Bah pourquoi pas. Alors, si je me souviens bien, faut bien tout visiter parce qu'il y a des... pas mal de coffres, je crois, ici. Vous n'auriez pas vu ma fille? Bah je sais pas, t'as qu'à la... Voilà. T'as qu'à vérifier où elle est, hein. Antidote par 2. Là, il n'y a rien par là. Ah ok, on passe de l'autre côté. Mais avant ça, je vais explorer la fin de la zone.
Alors, qu'est-ce que nous avons par ici? Ok. Toi, on t'a pas vu. Maintenant, on peut trouver les tissus de Bayside à un prix abordable. Je ne sais pas quoi prendre. Bonjour, jeune fille. Acheter. Alors, qu'est-ce que nous n'avons pas? Protège de sommeil. C'est 3000, quoi. Mutisme, obscurité, poison. C'est beaucoup trop cher. Je suis sûr qu'on va les trouver dans des coffres. Vous allez voir. Faites-moi confiance. Alors, avant qu'on se rende de l'autre côté... J'hésite à rejoindre la Ligue et c'est la période d'instruction qui me fait peur. Mmh. Faites attention quand vous passez par ici, c'est pas rare qu'il y ait des objets qui volent. Ah bon? Allez au temple, faudrait mieux de laisser tomber. Kilika a beaucoup changé en 2 ans, et vous aussi, Dame Yuna. Oui, enfin nous ça va. J'hésite à rejoindre la Ligue, c'est la période d'instruction qui me fait peur. Mmh. J'étais en train de me dire, attendez. Avant qu'on aille par là... On va faire l'autre partie de la première zone, en fait. Je pense que ça sera plus judicieux. Parce qu'on n'a pas fait la partie droite. Donc, si je me souviens bien, on monte par là. Voilà. Hop là, on passe par là. Et on va par là. Parfait. Et je crois qu'on va avoir des petites choses bien sympathiques. Il n'y a rien par là. Toujours checker dans les zones d'ombre, hein, vous le savez. Voilà, regardez ici. Nous avons quoi ici? Nous avons collier par 2, très bien. On va descendre et nous avons quoi? Ah. Je l'ai trouvé dans la forêt, c'est plutôt rare ici, non? C'est un singe fouisseur. Il tient son nom de son caractère. Il est si peureux qu'il passe son temps enfoui dans son terrier. Si vous apercevez d'autres singes fouisseurs dans la forêt, prévenez-moi. Merci de chercher des singes, vous m'en avez ramené 0. Si vous en trouvez, amenez-les moi. Ok, donc mission peut-être secondaire. Ouah, un singe! Elle est où même? Elle est où la maison aux singes? Bah, t'as qu'à lui en faire une. Non, mais en fait, il y a trop de trucs, ouais, je suis perdu! Là. Là, ok, on a tout fait. Donc on va redescendre par ici. Hop. Ici, oh. Vous voyez ce corail géant? C'est là qu'ils sont en train de construire le nouveau QG de la Ligue des Jeunes. Ah bon? Mon petit ami aussi travaille là-bas. C'est bien beau cette histoire de nouveau QG, mais il faudrait voir à ne pas oublier d'aller à la pêche. Eh ouais, tu as bien raison mon ami. Queue de phénix. Et donc... Rien d'autre. Alors, ah d'accord, je pouvais passer, autant pour moi. Alors, je peux peut-être rejoindre par là. En fait, j'ai jusqu'à la fin du live, j'ai peut-être un petit objectif, si vous voyez. J'aimerais qu'on fasse toute la visite du village et qu'on se quitte juste... What? On peut pas sortir? Oh, c'est mal fait, ça. J'aurais pensé que c'était dans la continuité. Salut à toi, Sousansoni. Bienvenue sur le stream. Comment vas-tu? Sousansoni, pardon. Ce serait mieux que je dise mieux ton pseudo. Je me disais, on a quand même bien progressé pendant ce live, vraiment, donc c'est plutôt cool. On a vu quand même les bases, phase tuto, mais au moins comme ça, on avance bien, et puis voilà quoi. On a de nombreux objets et tout, c'est les vacances. Écoutez, la musique et tout, moi ça me fait plaisir. Ok, donc vous, on vous avait parlé. Ok. Donc il y a encore une seconde partie. Hop là. Est-ce qu'il y a des choses à faire par là? Oh. Donna. My, my, my. Fine, have it your way. Donna. Go on, leave. Donna. Youch. Et donc je pense que vous avez reconnu le petit Bartello et la personne qu'on va voir juste après.
Well, look who we have here. Good to see you. What's with Bartello? Well, nothing out of the ordinary. I am with the Youth League, and he is with New Yevon. It makes living together rather difficult. Oh. But you've been together so long. To each his own. Exactly. Butt out. Ok, bon. Et donc on reconnaît Donna, je vous rappelle qu'elle est une ancienne invocatrice, hein, on est en concurrence dans le premier F10 avec elle. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, pardon. Fichez-moi la paix. Et ouais, si j'aurais pas exploré cette zone, on n'aurait pas eu le droit à ce petit moment, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment tout refaire. Et regardez, en plus on a un coffre qui contient de l'argent, et c'est pas négociable. Surtout à ce stade où on commence l'aventure. Ok, donc ici c'est bon, on va pouvoir ressortir. Allez, on a encore 10 minutes devant nous. Je pense que normalement on a le temps de faire les objectifs. On se croira à Minecraft limite, lol. Alors toi, les Yevonistes n'ont pas levé le petit doigt pour reconstruire Kilika. C'est la ligue qui a tout fait. La ligue des jeunes donc, ok. Donc ici je peux aller à droite. Bah écoutez, on va y aller maintenant. On ne peut plus aller au temple à cause de ce barrage à l'entrée de la forêt. Qu'est-ce qui se passe encore? Les préceptes de Yevon sont dépassés, mais je continue à aller prier au temple régulièrement. À quoi bon aller prier au temple? Ça ne sert plus à rien. Et ouais, comme on l'a vu, les néo-yevonistes affrontent la Ligue des Jeunes. Il paraît qu'il y a une super sphère cachée quelque part sur Kilika, mais ça reste entre nous. On peut prendre la mer en toute sécurité maintenant que vous nous avez débarrassé de Sine. Merci, merci, merci. Ah oui. Ils sont en train de construire le nouveau QG de la Ligue des Jeunes là-bas. Tenez, regardez. Faites voir. J'ai hâte que les travaux se terminent. Notre navire assure la liaison entre le QG de la Ligue et les différentes parties de Spira. Je veux bien le petit coffre ici, s'il vous plaît. Un rideau de lune. Merci. Ah, je peux pas aller plus loin. D'accord, très bien. Et je me dépêche un peu parce que je vois que le temps file. Rideau d'étoiles. Parfait. Là, il n'y a rien d'autre. Hop là. Un deuxième coffre. Au bénit par deux. Toi, on t'apprend à parler. Les machinas de la Ligue nous ont bien servi pour reconstruire Kilika. Machinas, ce sont les machines, je vous rappelle. Avant, qui étaient prohibées par Yevon. Prohibées, interdites. Je précise au cas où. Oh, attendez, j'ai pas été voir là-haut si on pouvait aller dans l'habitation. Nope. Alors. Circulez, la forêt est interdite d'accès pour le moment. Très bien, merci pour l'accueil. Alors là, il n'y a rien, rien du tout. Hop là. À parler à grand-mère. Salut grand-mère. Porto Kilika est devenu encore plus splendide qu'avant d'être dévasté par Sine. Je te rejoins, ma petite grand-mère, je te rejoins. Ok. Alors par contre, ce sera surveillé parce que je croyais que dès qu'on avait normalement un petit carré, on pouvait interagir et aller dans un nouveau lieu, en fait. Ça surveillait, d'accord, pourquoi pas. Rideau de lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, rideau de lumière? On n'arrête pas d'en avoir, quoi. Bon. Bah, je vous propose qu'on aille prendre le bateau. Puis on va aller explorer la forêt. Enfin, première partie de la forêt, bien sûr. Je vous dépose au port. Ouais, vas-y. Tu vas nous déposer au port, comme ça on va prendre le bateau pour la forêt. C'est pas forcément des grandes zones, là je sais que c'est peut-être un petit peu rébarbatif parce qu'on fait beaucoup de dialogues, mais regarde, on apprend quand même pas mal de choses. Là on a revu Donna et Bartello, on sait qu'un nouveau QG de la Ligue des Jeunes est en train de se construire. C'est cool, je trouve.
Ah oui, en effet, on a eu quelques petits décalages. Je ne vais pas arrêter le stream hein, pour la fin, rassurez-vous. Il n'y a rien de bien méchant, il nous reste encore 5 minutes. Ouais, j'ai eu quelques images perdues, Vanred. J'ai eu quelques images perdues. Ah, je croyais qu'on pouvait aller dans la forêt. Me serais-je trompé? Me serais-je trompé? Il faut pas faire quelque chose. La forêt est interdite d'accès, d'accord. Salut Barbie, bienvenue sur le stream, comment ça va? Oui, je sais qu'il y a un décalage, hein, rassurez-vous, mais je vais pas arrêter le... Je vais pas recommencer le stream pour 5 minutes. Hein. J'ai eu quelques images perdues, en effet. C'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre, parce que là, la co est très stable. Mais bon, rien de bien méchant, hein. Le live s'est bien passé, on va pas pleurer. Ok. Alors là, par contre, je serais bien preneur d'idées, parce que normalement, je crois qu'il y avait quelque chose à interagir pour aller dans la forêt. En particulier avec les gardes. Bizarre. Bizarre que ça me dise rien. Peut-être parler voir Donna. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, fichez-moi la paix. Peut-être aller voir Bartello, je sais pas. Attendez. Il y a un espèce d'embranchement là sur la gauche. Non, il n'y a rien. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire, à me les suggérer, parce que là... Je ne vois pas ce qu'il faut faire. Peut-être là? Nope. On va sauvegarder. Ok. Eh bien les amis, je vais encore rechercher avec vous quelques instants, mais dans 3 minutes, je vais couper, hein, enfin couper. On stoppera le live. Je pensais qu'on pouvait aller dans la forêt. Est-ce que ma mémoire me joue des tours ou pas? Alors, je peux pas y aller encore, je ne sais pas. Oui, ça va très bien, Barbie, je te remercie. Ça va très très bien. Bon, bah écoutez, je vois... Attendez, c'est moi? Non. Non, non, j'avais vu un coffre, mais non. Pas l'air de fonctionner. En tout cas, vous êtes 80 dans le stream. Enfin, sur le stream et dans le chat, ça me fait très plaisir. Merci à vous. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis, surtout, vous soyez emballés par FF10.2. Hein. On se retrouve demain 14h pour la suite de Kingdom Hearts. Hein. Je vous rappelle que là, nous allons arriver dans les phases de la colère, de la rage. Avec le monde de Tarzan. Re, Talia. Re. Mais écoutez, prochain live sur FF10.2. Ce sera logiquement... du coup, pas samedi, mais dimanche, du coup. Oh. Attendez, il y a un coffre, là. Pourquoi je peux pas aller le chercher? Pourquoi je peux pas aller le chercher? Peut-être par la suite, non? Ah. Il est là. Voilà, ok, parfait. Un onguent magique. Ok. Hop là. Qu'est-ce que t'as le chien? Wouf, wouf, wouf. Ouais. Allez, on re-sauvegarde. C'est le mec du bateau pour aller à la forêt, je crois. Ouais, mais j'ai déjà regardé. Parce que ça nous dit les... regardez. On a quand même le temps. Ouais. On a quand même une minute. Regardez, là. Là, celui dans la deuxième partie nous dit « Je vous ramène au port », ok? Et là, regardez. « Je vous emmène vers la forêt. » Vers la forêt. Bah oui.
Et donc on l'a déjà fait. Sauf que le... On a un barrage en fait. Bah écoutez, je me renseignerai, hein, je me renseignerai. On verra bien pour la suite. En tout cas, pour ma part, je vais stopper le jeu. Voilà, tu fermes la fenêtre, merci. Tu fais ça, voilà, merci bien. Hop là. Et on va revenir comme ça. Les amis, merci pour vos conseils, merci d'avoir assisté à ce superbe live. Je vous laisse en compagnie de la très chère Cameo qui sera en votre compagnie de 18h à 20h. Je vous rappelle que demain, Kingdom Hearts 14h, vendredi, ce sera la démo de Resident Evil 7. À 22h et juste après, on fera du Dead or Alive Extreme 3, enfin on va pouvoir y jouer. Samedi, pas de live, parce que les horaires n'ont pas été prévus. Et dimanche, bah écoutez, comme on a pris un petit peu de retard sur FF10.2, je pense qu'on va faire du FF10.2 dimanche, alors que normalement ça devrait être du cash, mais voilà, j'ai encore un petit peu envie d'avancer sur FF10.2. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, amusez-vous bien, bonnes vacances à vous, bon courage pour le boulot, je vous fais des bisous, ciao tout le monde, et merci encore pour vos conseils, et je compte sur vous pour la suite. La suite de nos aventures sur FF10.2 pour le live 4. Allez, ciao tout le monde. Et pour la redis sur YouTube, n'hésitez pas à me donner vos conseils. C'est pour moi très important. Allez, bye.